La vraie tortilla de chez nous. Tous les Québécois pourront maintenant goûter au mets traditionnel du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Très bonne. Ça peut pas goûter plus le Saguenay-Lac-Saint-Jean que ça. Oui, parce que moi, je suis de la région aussi, évidemment. La compagnie régionale Viandomax propulse sa tourtière à l'échelle provinciale. Le but, c'était de traverser le parc des Laurentides, un petit peu apprendre aux gens de Québec, de Montréal, les environs, un petit peu les éduquer sur la tourtière, autrement dit, ou lui expliquer c'est quoi le vrai mets. Gars de Blainville, goûte-moi ça. Là, tu peux pas manger un mets plus traditionnel que ça. Ouais. Goûte à ça. C'est important que la patate soit pas trop grosse, qu'elle finisse par être brune comme ça, que la pâte soit pas sèche. C'est que le dessus soit un peu croustillant, mais qu'en dessous, c'est un peu moché, là, tu sais, là. Et qui de mieux comme porte-parole que l'humoriste Michel Barrette, originaire de la région? Ça fait 14 ans qu'on la vend. J'ai essayé beaucoup de la rentrer à l'extérieur via les chaînes KGA, Métro, Maxi. C'est du monde de Montréal, ils connaissent un petit peu moins ça. Eux, pour eux, c'est un produit qu'on mange juste dans le temps des fêtes. Donc, avec comme Michel comme porte-parole, comme ambassadeur, bien, ça a poussé un petit peu les chaînes de dire on serait prêt à essayer le produit. Puis ta face à la tourtière. J'ai dit, tu vas m'y faire un goûter encore, tu vas monter à grosseur des patates. J'y goûte. C'était exactement la tourtière de ma mère, de ma grand-mère, celle qu'on, tu sais, qu'on transporte de génération en génération. Et on va la trouver de Gatineau à Sept-Îles, de Sept-Îles à Sherbrooke, de Sherbrooke à Val-d'Or. Ce qui fait que les gens vont dire, bon, enfin, ils vont comprendre que la tourtière, c'est pas du pâté de viande. La tourtière régionale est disponible dans la majorité des grandes bannières d'alimentation comme IGA, Métro et Costco. Sa particularité, elle est offerte à tout temps de l'année. Il faut arrêter de penser que c'est juste dans le temps des fêtes. Quand j'étais jeune, ma mère a fait de la tourtière dans le coffre. Elle disait, on se ramasse un Indéon, là. J'ai fait une tourtière, mais ça dans le coffre du char, avec une couverte dessus. On arrivait à la plage, j'ouvrais le coffre, elle criait, tourtière dans le coffre. Là, le monde s'approchait, moi, de la tourtière. Très, très bon. L'essayer, c'est l'adopter. Ils vont renouveler. On est convaincus qu'on a un bon produit qui a été testé, qui est approuvé par Michel. Au mois de mars, Viandomax débutera la construction d'une nouvelle usine dédiée à cette production. Dans nos bureaux de Viandomax à Chicoutimi, on construit une usine de 4,5 à 5 millions qui va être destinée uniquement à la tourtière. Ça va être une usine fédérale qu'on va pouvoir l'envoyer en Ontario ou dans le reste du Canada. On va aller loin avec ce produit-là. Est-ce que vous mettez du ketchup sur votre tourtière? Ma grand-mère t'aurait lancé dans le banc de neige. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.